Merci pour ce rapport détaillé. Nous allons faire passer le mot et nous assurer que chacun prend les précautions nécessaires pour approcher les survivants. Je vais m'occuper de ramener les personnes restantes à la paix des vainqueurs. Peut-être seront-ils plus susceptibles d'écouter un de leurs compatriotes. Merci, Maxima. Si l'occasion le permet, expliquez-leur ce qui est arrivé à Lysinia et à sa sœur. Pardonnez-moi, je vous ai envoyé dans la gueule du loup sans imaginer ce qui pourrait arriver. Ne vous excusez pas. Notre peine n'est rien comparée à la leur. Mais merci, Lucia. Et sinon, qu'en est-il des autres? Vous avez découvert ce qui s'est passé ici? Si je peux me permettre, je viens moi aussi de faire mon rapport à Lucia. Nous avons réussi à guérir les populares subjugués. Grâce à leurs témoignages, nous y voyons maintenant un peu plus clair sur la situation de l'Empire et ce qui est arrivé à la capitale. Comme vous le savez, après la mort de l'empereur Varys, les conflits autour de la succession ont fini par s'envenimer et se transformer en guerre civile. Tout a commencé lorsque des combats ont éclaté en pleine ville, opposant la 3e Légion qui soutenait Nerva à la 1ère Légion qui était fidèle à l'ancien dirigeant. Or, on ne scie pas la branche sur laquelle on est assis. Pourquoi se sont-ils battus dans leur propre cité? Même si les impériaux ont toujours été belliqueux, il reste étonnant que cela ait pu dégénérer aussi vite sans que personne ne réagisse. Quelqu'un ou quelque chose a dû attiser la rage des factions ennemies jusqu'à leur faire perdre la raison. Vous vous souvenez des combats dans les ténèbres de Gimlit? Tout particulièrement le moment où Varys s'est éloigné du front. Pendant que vous affrontiez ses troupes, Titus et son fils Nerva, les principaux opposants politiques de l'Empereur, ont profité de son absence pour affaiblir son règne, en donnant du grain à moudre aux rumeurs sur la mort de Zenos et sa résurrection, désormais possédé par une entité démoniaque. Des rumeurs qui étaient vraies. C'est Elidibus qui avait pris possession du corps de Zenos après sa défaite à Alamigo. En effet. Mais avant que Titus et ses partisans réussissent à prouver leur dire, ils furent réduits au silence. Tous ceux qui propageaient ces rumeurs disparurent les uns après les autres. Certains furent déchus de leur poste, d'autres moururent dans des circonstances pour le moins étranges. Tout ça était sûrement l'œuvre d'Elidibus. Et quoi qu'il en soit, personne n'a pu prouver l'implication de Varys dans ces incidents. Ce qui reste étrange, sachant que c'est lui qui avait tout à gagner à neutraliser la 3e Légion commandée par ses opposants, Titus et Nerva. Et alors que leur mécontentement grandissait, Varys fut soudainement assassiné. Le nom du prétendu coupable était sur toutes les lèvres, Gaius Baelsar. Seulement, à peine la nouvelle annoncée que Nerva se proclamait déjà empereur. Ce qui n'a pas manqué d'attiser la colère de la 1ère Légion, persuadée que la faction de Titus avait fomenté ce coup d'État. Chacun croyait que l'autre avait jeté la première pierre. Et ce n'est pas tout. Chaque faction a reçu un soutien financier conséquent qui aurait dû lui assurer une victoire rapide et éclatante. Si elle avait été la seule à en bénéficier. Oui, j'ai entendu dire que la Maison Brutus avait apporté son soutien à la 3e Légion. Ils auraient aussi financé leurs adversaires? En effet, les Populares se sont penchés sur le problème et ont vite remonté la piste des investissements envoyés à la 1ère Légion. Tous venaient d'organisations liées de près ou de loin au Brutus. Fan Daniel, voilà pourquoi il a pris l'apparence d'Assaï. Pour lui permettre de jouer sur les deux tableaux à la fois.
Et c'est ainsi que les combats ont commencé. Ils ont rapidement gagné en intensité, jusqu'au soir où la capitale a été secouée par une puissante onde de choc. Après cet incident, les populares ne se souviennent de presque rien. Pas même de notre affrontement dans le Magna Glacies. La seule chose dont ils sont à peu près certains, c'est d'avoir aidé à la reconstruction du palais impérial. Ils nous ont tous dit avoir eu l'impression d'être prisonniers d'un rêve éveillé, guidés par la voix de l'empereur Varys en personne. Construisez la tour de Babil, que la gloire de Garlemalde rayonne sur le monde entier. Voilà ce qu'elle leur disait. Attendez, ça nous dit quelque chose, ça. Je pense qu'il sera plus simple de vous faire une démonstration. C'est bien la voix de Varys. À moins qu'il s'agisse d'un enregistrement, je ne peux pas me l'expliquer. Tiens, je pensais à la même chose. L'éther qui est infusé dans cette amulette ressemble à s'y méprendre à celui qui émane de cet appareil. Oui, je l'ai remarqué moi aussi. Ce n'est peut-être pas sa fonction principale, mais cette radio permet d'atténuer la puissance des radiations éthérées. Maintenant que j'y pense, et si cette fameuse onde de choc dont nous ont parlé les populares était en fait une vague d'éther émise par un primordial? Un flux si puissant qu'il aurait frappé la cité tout entière. Seuls ceux qui se trouvaient près des radios pour suivre les nouvelles du conflit auraient été protégés, échappant ainsi à la subjugation. Cela expliquerait bien des mystères. Oui. Voilà pourquoi Lysinia a choisi de l'emporter partout avec elle. Excusez-moi de vous interrompre. Les gardes ont appréhendé un jeune homme qui essayait de dérober nos provisions. Il semble que ce soit un soldat de l'armée impériale, mais il n'a pas l'air subjugué. Ils allaient en venir aux mains lorsque Magnai est intervenu, et nous l'avons ensuite ramené ici. Il se trouve juste dehors. Allons lui parler. C'est donc lui. Des Garlemaldais. Bande de traîtres! Comment osez-vous fraterniser avec ces sauvages? Vous n'avez pas honte? Je m'appelle Lucia Junius, chevalière de l'Ordre du Temple d'Ishgard. Et toi, qui es-tu? Mon nom est Julius Pyrne Orbanus, et je refuse de dire un mot de plus à des envahisseurs comme vous. Enchanté, Julius. Sache que nous ne sommes pas ici pour conquérir Garlemald, bien au contraire. Les nations des Orzea et de la Coalition Orientale sont actuellement aux prises avec notre ennemi commun. Ce qu'on appelle les Télophores. Votre pays est celui qui a le plus souffert de leurs attaques et de leurs machinations. C'est pourquoi nous avons assemblé cette délégation, afin de vous apporter notre soutien. Peu m'importe que tu me croies ou non. Je voudrais seulement que tu me confirmes une chose. Toi et les autres survivants, vous avez suffisamment de réserves? Je doute fortement qu'un fier soldat de l'armée impériale s'abaisse à voler des provisions, si c'était vraiment le cas. Votre situation doit vraiment être désespérée. Je me trompe? Nous sommes prêts à partager nos vivres. Tu n'as donc pas besoin de recourir au vol. Puisque tu sembles réticent à l'idée d'accepter notre aide, tu n'auras qu'à te dire que je t'ai forcé à prendre des provisions.
Ce n'est pas à moi de décider si nous accepterons votre aide ou non, mais à mon commandant. Je peux vous emmener discuter avec lui, face à face. Mais je ne prendrai que 3 personnes maximum avec moi. Qu'en dis-tu? Si on accepte, je suggère qu'on y aille au moins toi et moi. Si ça ne te dérange pas, pourrais-tu me laisser y aller avec Alizée? Tu es sûr? Pour ces survivants, il s'agit d'un choix qui mettra leur avenir et leur vie en danger. Aucune confiance ne pourra naître entre nous si nous ne faisons pas preuve du même acte de foi. Cette fois-ci, nous serons accompagnés. À nous de profiter de cette chance pour rattraper nos erreurs. J'aurais préféré vous épargner tout cela, mais votre regard est si plein de détermination. Soyez prudent. Des enfants et une mercenaire. Vous vous moquez de moi? Bien au contraire, c'est toi qui nous insultes avec de tels propos. Ces 3 personnes sont plus que qualifiées pour nous représenter auprès de ton commandant. Je vais avoir besoin de mon arme. Le campement n'est pas tout près et la route est périlleuse.